Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la chaîne des jeux de signes pour les fourmis. Nous sommes au 6e épisode et aujourd'hui nous avons quelques missions à faire. On va, comme d'habitude, faire de la plus proche à la plus loin. Hop. Quelle est la plus proche? C'est celle là-bas. Hein. Bonjour toi. Hop. Et bonjour. Nous avons un petit problème dans les pattes. Peux-tu nous aider, sœur Belloconienne? Proche d'ici, nous avons des terrains de chasse. L'eau va et vient. Et cela attire de nombreuses proies. Nous avons besoin de nous battre pour ce lieu, nous battre et le récupérer. L'eau. Bon, ne t'inquiète pas, l'eau est très basse en ce moment, mais ça veut dire qu'il a beaucoup de proies. Ces terrains de chasse sont vitaux pour nous. Qui sont les adversaires? Pas besoin d'y penser, ce qui compte c'est que nos chasseuses puissent travailler en paix, est-ce clair? Ok, bah c'est parti. Let's go. Alors... Eh bien, ici interagir, j'ai besoin là-dedans. Cartographe. Ici, on a déjà ça. Ici, qu'est-ce qui va nous manquer? Je dirais que la sylviculture va être plus gravement manquante. Le reste, on peut rien prendre parce qu'on a plus de bois. Ok. Sylviculture construite, très bien. Je vais faire le tour. Hein. De chaque zone, il faut en faire le tour. Voilà, pour cette raison. La nourriture, j'en ai. Interagir, j'aimerais faire des artilleuses. On viendra développer les autres éléments, mais... Commençons par les artilleuses. Des termites, quelle surprise! Il faudra probablement que je choisisse quel nid défendre en premier. L'avantage c'est que là on va pouvoir avoir un deuxième groupe. On fera quoi? J'hésite et je pense que je prendrai un deuxième groupe de guerrières. Interagir. Alors, que va-t-on commencer? Toujours du problème avec ça. Ici, du coup, j'ai pas de bois. Ok. Légion, j'ai dit que je voulais... Là, c'est quoi? C'est des soutiens et après, j'ai pas. On va prendre une deuxième unité de guerrière, alors. Toi, ici. Pour un peu de nourriture, j'accepte. Là c'est un peu plus, donc on va attendre. Et j'aimerais voir s'il y a moyen de rajouter la défense déjà dans ces 60. Ah, là je peux faire les artilleuses, on va prendre. Artilleuse de nid construit. Non, restez là, restez là. C'est vous qui devez aller. Et vous, vous allez vous mettre ici. À l'attaque. Parfait.
Je vais voir, est-ce que je peux pas déjà faire... Si. Le stockage. Je gaspille entre guillemets mes ressources. Mais on a besoin du stockage si on veut pouvoir évoluer. C'est de la nourriture, c'est dommage, mais c'est pas grave. Et moi je vais monter aussi et je vais partir à la recherche dans la zone numéro 2. Quoique. Je vais peut-être juste aller finir de fouiller cette zone-ci, on sait jamais. Il n'y a rien. La grande zone. Non, ok, il faut pas aller attaquer la grande zone. Interagir. Ouais, on va aussi augmenter ici la limite. Guérir à disposition, parfait. Est-ce que je peux aller dans cette zone? Agrandissement du stockage, on est à 350. On se met bien. Dans cette zone, je peux fouiller, ok. Des coccinelles. Les coccinelles sont dans l'autre zone. Et un nid ici. Stop. Ok, très bien. Mettez-vous là, pour le moment. Ici, interagir. On a besoin de surtout... de bois, très bien. Augmente votre endurance? Non. Et est-ce que je peux avoir... je vais prendre une deuxième unité d'artilleuse. Mettez-vous peut-être un peu plus bas. Je suis pas sûr que aussi haut ce soit utile. Non, vous allez ici, on a dit. Peut-être même... Hop. Et voilà, un thermite supplémentaire nettoyé. Hop, interagir. Je vais commencer par venir ici faire des défenses. Pourquoi? Parce que là on est vraiment sur un gros carrefour, donc je pense qu'il vaut mieux venir défendre. Est-ce que j'irai attaquer les coccinelles tout de suite? Peut-être, en vrai. Dès que j'ai ma deuxième unité artilleuse. Et ici ça me coûterait combien? Pour produire ça, 80. On va faire une ferme à champignons, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien.
Elle attaque. Elle attaque. Là, je fais parce que c'est l'unité à côté. Hein. Nid découvert. Ouh, un gros nid là. On va pouvoir l'attaquer, je pense. Agir. Si je pourrais, je vais attendre. Parce que dès que j'ai 80, je peux faire le laboratoire et améliorer mes fourmis. Et pour construire les artilleuses, il me faudra 40. On a pris extrêmement cher. Hop, et là j'ai beaucoup de nourriture, c'est très bien. Et là j'ai 35. Mais j'hésite, est-ce que j'attaque la grande zone ou alors je vais attaquer plus au nord de la carte? Je pense que je vais attaquer plus au nord. Et ici c'en est où le laboratoire? Il est construit. Très bien. Artilleuse unique construite, parfait. Parce qu'en fait là, je vais aller comment dire, améliorer les unités que l'on a. Pour les prochaines batailles, ce sera plus qu'utile. Ici. Hop, et là, ça va. C'est quoi? Alerte d'activité. Ah, nid découvert. Parfait. Hop, ici. Finir. On va perdre un nid. À moins qu'elle ne s'approche pas. Ok, je peux commencer par toi. Et toi. Ouais, je sais qu'ils attaquent. Malheureusement, je peux pas faire mieux. Pas grave, pas grave. Reculez, reculez, on abandonne. On viendra le reconquérir. En fait, non. Malheureusement j'ai pas assez, mais il est tombé. Dès que tu peux, t'attaques lui. Et toi, tu
Attaque lui. J'ai résisté au premier assaut, je pense. Alors, les défenses, elles sont en reconstruction. Ok, elles sont en reconstruction. Je vais venir. Et ici, dès que j'ai les moyens. Ok, il me faut plus de moyens. On va peut-être se mettre un peu derrière. Si moi je continue à voir. Hop, si je veux, je sais pas, les super prédateurs, ils sont où? J'ai obtrude, c'est ça les super prédateurs. Il me faut 50. Hop, et ici je peux améliorer les. Oui, très bien. Bien. Est-ce qu'on attaque plus vers le nord? Ou alors est-ce qu'on attend encore un peu pour avoir nos soutiens Géoptrude? Ah, ce sera. Je pense que c'est une bonne idée d'attendre le soutien des Géoptrudes. Encore un nid, pas grave. Ok, 50 ça devrait aller. Je peux les avoir? Non, pas encore. Okay. Ils existent. Lancer l'assaut, hein. Allez-y, vous êtes trop loin apparemment. Ouch. Ça va piquer ça. Crotte. Bon, on va perdre des premières légions. Ok. 60, je peux pas encore mettre pour régène. Ouais, je me suis fait démolir. Je peux faire en sorte que ça se rapproche.
On a trouvé tout plein de nids. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Hop. 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes, ouais. Si ça, il laisse tranquille. Alors ici, je peux venir accélérer. Très bien. Parce que s'ils sont tous là, je peux lancer un assaut sur celui là-bas. Là où il n'y a aucune défense. Ok, très bien, j'en ai deux. On va reculer. Plus intéressant, ouais. Approcher. Et devenir. Attaquer ici. Oh, il lance un assaut. Attaquer ça. Ah mince. Va là-bas. Seule chance c'est qu'ici ils réussissent. Non mince, ils veulent pas. Ah, nice, j'ai réussi à avoir, faire des dégâts.
Et mince. Non, c'est bon, c'est mes fourmis. J'ai cru que c'était des renforts à eux. Ok, parfait. Trente secondes et on a plus de renforts. Attaque. Et mince, ils s'en fait intercepter. Non, toi. Toi, viens attaquer le nid. Guerrière vétérane, c'est pas grave, elles vont revenir. Tire là-dessus. Va au nid. Va te soigner. Si tu peux revenir, viens à l'assaut. Capturé, très bien, que tout le monde vienne ici. Alors interagir. Tac. Ici, on va demander de la nourriture. Dès qu'on a les moyens, du bois. Du stock. Restez là, régénérez-vous. Toi, tu viens ici. Venez, on va prendre la position de ce petit nid ici. Et un stock. Et là-bas, c'est leur nid. Donc on va faire gaffe. Réagir. Ah, j'ai plus de quoi faire autant de défense. Et là, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas droit à plus pour le moment. Il me faudrait... Bon, c'est ici, peut-être. Non, c'est pas ça. Faut juste 60, ok. Pour avoir une unité en plus. Ah. On est à combien ? Là, ils ont des... Ah, mince. Alors, dès que je peux, multitude. À l'attaque. Quarante.
Bien, on a 40, on va ajouter des artilleuses. Vous pouvez tirer sur celle-ci. Hop, est-ce que j'ai le droit de construire la barrière? Non, c'est 120, donc on va pas le faire. Par contre, non, on n'a pas le droit encore. Ah, j'ai juste besoin de nourriture. Dès que j'ai... J'ai autre rupte, hein. Pas le choix. Ah non, je peux pas. Ce sera, artilleuse. On va aller attaquer leur nid là-bas. Hop. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire et ça va beaucoup nous soulager. Là bas c'est le nid... Oh, c'est peut-être la cible à faire après. Vu qu'on a le nid mère tout au bout. À l'assaut. C'est bon? Très bien. Alors ici, interagir, défense. Gardienne de nid, artilleuse de nid vétérane, gardienne de nid vétérane et la glande. Ici, j'ai pas assez pour demander l'un ou l'autre. Ok. Et là, normalement, j'ai assez pour demander une artilleuse supplémentaire. Elles se sont bien... j'hésite. Je vais sûrement attaquer ce nid là en premier. Dès que tout le monde est prêt. Est-ce que j'aimerais... C'est là-dedans, je pense. Maîtresse, non, c'est pas ça que je veux. Cartographie vétérane. C'est une version inférieure. Hop.
soigne-toi. Ration déjà construite. Et ici, je peux pas. Je peux l'œuf. D'accord, c'est dommage. Hop, et ici, j'ai construit. J'en prends un. Et ici, de quoi avoir a-t-on le plus besoin de faire ma champignon? Allez-y, on lance l'assaut. Hop, faites-moi tomber Sony. Vas-y, fais tomber le nid. Allez-y, lancez l'assaut suivant. Ici, je vais venir construire artilleuse, gardienne et évolution des glandes. Ça va. Je pense que la victoire est acquise. Détruisez tout. Hop. Vous, dès qu'il y a un guerrier qui repop, vous le détruisez. C'est fini. Regardez-moi ces artilleuses de folie. Elles ont tout écrasé. À l'assaut. Bah, c'est bon, vas-y. Alors là, vous prenez des dégâts, mais c'est pas grave, ça va passer.
quand même impressionnant, hein, la pluie de flèches, enfin de jets d'acide. Bah victoire, voilà. Et ça aurait été un long épisode juste pour une grosse... C'était une grosse mission. Là, il faut s'avouer, c'était une belle grosse mission. Donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Enfin, même si c'est toujours mieux de laisser un pouce bleu. Pensez à laisser vos commentaires. Ils seront lus et répondus avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite, mais également les autres très bonnes séries qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.